Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on reprend, on s'est arrêté la dernière fois dans World Food Company of Heroes 2 et on s'est arrêté à l'huitième mission qui s'intitulait Chasse au Panzer, qui est ma mission que je dois dire que j'aime le moins. On a rejoint les gars du Vous front comprendrez de très vite Leningrad, pourquoi. mais c'était loin d'être fini. Il restait de nombreux Allemands à tuer. Ils se sont battus comme des rats pris au piège. Janvier 1943, périphérie de Leningrad, URSS. À la suite de l'opération Iskra, la ville de Leningrad se retrouva à l'abri d'une capture par les Allemands et mieux ravitaillée qu'elle ne l'avait été pendant plus d'un an. La nouvelle ligne d'approvisionnement était un cadeau des dieux pour les civils affamés et les soldats du front de Leningrad en bénéficiaient eux aussi. La prochaine offensive soviétique près de Leningrad rencontrerait le succès et le siège allait durer jusqu'à janvier 1944. Peu après l'opération Iskra, l'armée rouge acquérir une route tabarme. Peu après l'opération Iskra, l'armée rouge acquérait une route tabarme allemande qui exigeait une réponse soviétique. Tirer des obus perforants et des obus détonants au niveau du pigment de chêne, du pigment interminaire et des chenilles pour immobiliser les chars. Tirer des obus détonants au niveau des roues lors de l'attaque d'un char, utiliser également des grenades, des mines anti-chars. Journal de l'artillerie soviétique. Je ne comprends pas tout de ça, mais bon. À part les obus, pour moi c'est un peu de l'anglais, je m'en excuse. Bon, je vais vous expliquer vite fait la mission, nous devons récupérer un tigre allemand. Votre chef a tous les éléments, on approche du village, ralentissez. Et je hais cette mission. Une bataille de chars ici. Regardez les carcasses. On dirait qu'ils sont là depuis des mois, peut-être depuis le printemps dernier. En route. Fusiliers prêts. Mais bon, nous n'avons pas le choix. Fusiliers prêts. Vous voyez quelque chose? Négatif. Mais l'endroit est parfait pour une embuscade. Aucun échec. Soyez vite. Contact. C'est une chose. Tenir, c'en est une autre. Oh, bordel. Cette épave de char y réfléchira deux fois avant de nous attaquer encore. Arrête de me faire flipper, toi. Ça fera circuler le sang. L'armée rouge à votre service. Je suis content de vous voir en première ligne, Jeff. Je me sens déjà plus en sécurité. Ouais. Prenez-le. La ferme Vassili, où je vous colle aux latrines pendant un mois. Marchez dans mes traces, ce sera plus facile. Récupérez vraiment tous les points, parce que vous avez vraiment besoin de munitions. Ça sera à bientôt à nous. Par deux gars. Char arrière détruit. Vassili, faites demi-tour et tirez. Serrez bien vos bottes. On ne laisse rien traîner. Marchez dans mes traces, ce sera plus facile. Déviation. Son blindage est trop épais. Attends, et on jette. Bien entendu, camarade. Le tigre a quand même subi 0 points de dégâts. Arrêtez de regarder ce truc et ramassez-le. Vous serrez bien vos bottes. Bon, vous vous récupérez pas de munitions. Il a eu ma tourelle, je me replie. En avant, camarade. Repliez-vous, commandant. Retirez vos forces. Dégagez de là. Peuple soviétique, on est en route. On se replie, camarade. On attend vos ordres. Oh là là. Ça commence bien. Commandant, on ne peut pas laisser un tigre traîner derrière nos lignes. On envoie des troupes supplémentaires, mais on ne peut pas faire plus. Détruisez ce tigre! Un blindé ennemi! Ce lieu appartient maintenant au peuple et aux travailleurs soviétiques. Ce sera plus facile. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Des mines et des charges explosives. On pourrait les installer et prendre le tigre au piège. Des places.
On a aussi des fusils anti-chars, mais je doute de leur utilité contre ce blindage. Il reste peut-être des armes dans le village. Fais son point, camarade. En avant. Le commandement nous a laissé très peu. Il va falloir trouver des munitions abandonnées dans le village pour nos explosifs. Sniper, à vos ordres. Mettez le camp sur D. C'est bon. Déplacement. Vos ordres, serrez bien vos bottes. On va là-bas. Je recherche des munitions en fait. Je connais pas par cœur où sont tous les endroits des munitions. Hein. La destination. J'attends vos ordres. Déplacement. Et c'est là que le fait de pas avoir de QE, c'est vraiment gênant. Vous pouvez vous fier au son en fait, ça je vous l'ai jamais dit. Vérifiez votre bien. Matériel, on y va. Ici. Fiez-vous au son si vous voulez, si vous voulez retrouver le char. On lève le camp. Ils n'empruntent pas toujours le même chemin donc. Ramassez-le. Donc, pour moi, c'est l'heure de se mettre en il marche, est camarade. Ici. Ouais, c'est... Marchez, marchez, on le fait on marcher. Est vraiment dans la merde. Qu'est-ce marchez que je dans mes traces. On s'en va. Ça fera circuler le sang. Camarade, on ne peut pas rester ici. J'ai les oreilles gelées. Serrez bien vos bottes. En avant, marche. Soldats du génie en attente. Fusil anti... Changement de position. Marchez dans mes traces. Un blindé vous a vu. Lancez peur, attaquez. Putain, ces fusils anti-char ne servent à rien. Ça, c'était utilisez sûr. Une grenade anti-char sur ce foutu char. Qu'est-ce qu'il y a au programme? On a la cible. Bon. Vous avez des ordres? Tire de blindé ennemi sur d'autres combattants. Granata. Mettez des charges. On attend vos ordres. Mettez-vous à couvert. Eh mince, c'est vous. Attention à ce ici, soldat des ordres. Envie d'être un héros. À l'assaut. Le dénu. Un amateur. Vite, vite, vite. L'ordre de rejoindre l'arrière. Un tourplier parce que. Je préfère affronter un commissaire. Il décompe. Il va sûrement fuir vers l'aérodrome au nord. C'est le cas, c'est le cas, c'est ça, il se replie. Où dois-je aller? Là-bas? On a besoin de moi ailleurs. Bon, petite explication de la meilleure technique pour bien réussir. Il n'y a pas de lâche ici. Que j'ai pas réussi à faire. Cette section. On va se frayer un chemin dans la. Je me suis fait surprendre. La meilleure technique en fait dans cette mission, c'est de surprendre le char, d'écouter où il va avec le bruit. Et de piéger en fait un. Quand vous voyez en fait il fait pas toujours la même ronde, mais j'ai constaté qu'il allait toujours en bas. Ce que je voulais faire c'est en fait poser des charges explosives ici. Je vous en conseille d'en poser deux. Fusil je sais pas combien il coûte prêt. D'ailleurs. Chose. 40. Donc en poser deux. D'un et quand il est dessus, faites tout sauter. Normalement avec deux charges explosives, vous devriez faire assez de dégâts pour neutraliser de la moitié de sa vie. Si c'est pas le cas, ben après vous envoyez. Vous récupérez en réessayant une autre fois. Hein. Attends, attendez. Groupe, en avant. Notre PTR, ça peut toujours être utile. La garde, on y va. Groupe de la garde prêt. Vous pouvez, ouais, si vous n'arrivez pas à l'avoir, c'est pas grave. Allez. Le problème, c'est qu'il est quand même assez efficace quand même contre l'infanterie. Soldat du génie en attente. Bien, on s'y rend. Ah, c'est parce que je pensais qu'il y avait un kit ici. Et que c'est assez dur quand même de le faire sauter. Pour dire ce qu'il y a. En prendre possession. J'ai eu de la chance, je vais pas gagner, là j'ai beaucoup de chance. On y va. Parce qu'il a pas trop visé mes fusées de la garde. S'il vise mes fusées de la garde, ça m'aurait beaucoup plus gêné que ça. Excusez-moi, freeze du jeu. On se retrouve après freeze. Excusez-moi. Bon, c'était un. Le freeze est dû à un problème Windows. Il m'a mis un message de mise à jour. J'avance. Excusez-moi du dérangement. Soldat du génie, on attend. Soldat du génie, on y va. Alors,
On va appeler ces sections là. On a d'autres recrues à notre disposition. Marchez dans mes traces. Ce sera plus facile. Je te dis que j'ai pas pris ton biscuit. On bouge. En gros, c'est des sections qui peuvent uniquement brancher des grenades en t-shirt. Ça fera circuler le sang. Si je m'en tire pas, on est parti. Bon. On lève le camp. Bon. Bien, on s'y rend. On a d'autres recrues à notre disposition. En avant. On va reconstituer. Détection de véhicules disponibles. Ah oui, je l'ai pas dit, mais vous avez. Déplacement, je suis attaqué. On sort du bâtiment. Position confirmée. Merde. Je dégage d'ici. J'ai totalement oublié qu'ils étaient pas couverts, discrets quand ils étaient dedans. J'ai eu de la chance. Faut éviter de les perdre en fait, vos snipers. En avant, camarades. On a d'autres recrues à notre disposition. Évitez de les perdre pour l'instant. Marchez dans mes traces, ce sera plus facile. Parce que c'est vos seuls. Regardez, un canon anti-char. On se tire d'ici. 37 mm maintenant, c'est un anti-char pourri. Une grenade anti-char. J'attaque en plein milieu. On est parti. On attend le VTRS, fait son point, camarade. Faut y aller. Changement de position. Notre sang coule, camarade. Mais foncez, merde. Vous pouvez appeler que 4 sections de d'unité en char. Anti-char. Vous voulez crever ici? Alors bougez. Oui, camarade. Utilisez vos armes. Je commence à en avoir marre. Il faut détruire quelque chose. On se met en route. Placez les charges de démolition. En mouvement. On exécute les ordres. Bon, c'est pas grave si vous les perdez. On subit des pertes à la grenade. On a d'autres recrues à notre disposition. Nous n'avons plus aucune recrue disponible. Il va falloir le détruire avec ce qui nous reste. De courage. On a fait sauter ses chenilles. Il est coincé. Il faut y aller, là. Grenade. On est parti. Vous n'avez rien à craindre. Placez les charges pour tout détruire. En fait, il faut essayer de préserver aussi vos sapeurs. Je suis en train de réfléchir. Sniper. T'es totalement oublié de faire attention à mes sapeurs. Soldats du jet. Destination confirmée. On a d'autres recrues à notre disposition. Ouais. Et prends ça, espèce de svoloch. Bougez, vite. J'ai plus de sapeurs. Ça, c'est un problème. Compris. Les soldats sont prêts. Parce qu'il faudrait réparer maintenant. Et sans sapeur, c'est légèrement compliqué. Surtout qu'il est plutôt fragile dans cette mission, étonnamment. Aïe, aïe, aïe. Beau travail avec les chars tigres, camarades. Nous avons maintenant une opportunité que nous devons absolument saisir. Le commandement nous demande de capturer un de ces monstres blindés et de le ramener au QG pour l'étudier et démontrer qu'il n'est pas invincible. L'ennemi ne va pas apprécier. Il a déjà pris des positions dans le village et va très certainement tenter de reprendre ou même de détruire notre trésor blindé. Le commandement a envoyé des renforts. Alors pour l'instant, on capture et on répare ce tigre. Puis on l'évacue vers la base. On ne doit surtout pas laisser passer cette opportunité, camarade. Nous finirons par avoir ce tigre. Bon, vous avez compris ce qui nous attend. Il faut déployer des défenses autour du tigre. Les Allemands seront bientôt là. Ce véhicule est capable. M5, rentre le chauffage. Il fait froid là dehors. Fusil anti-char prêt. On attend. On est en marche. La section a besoin de vous. Allez-y. Il faut donc déployer le plus. On a l'objectif. On lève le camp et on le défendra jusqu'à la mort. Bon. On rejoint la destination. Il faut donc déployer le plus d'unités possible à côté du char. Vos ordres, camarades. On va là-bas. Pour le protéger. Je quitte mon abri. Ah, c'est bon. J'ai réactivé le feu aussi. Vérifiez votre matériel. On y va. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai quand même très mal joué cette mission. On est en route. Faut dire ce qui est, hein. Arrêtez de regarder ce truc et ramassez-le.
D'habitude, j'arrive à avoir au moins deux voire trois escouades de sapeurs entièrement intactes à ce moment-là du jeu. AM45 Quad Monde a été réquisitionné. La garde se déplace. Et on va prendre ça. Déplacement. Donc commandant, on a pu établir une base au sud du village. Ça fera circuler le sang. Fusilier prêt. La bonne nouvelle, c'est qu'il marchera. La mauvaise, le moteur est touché. Vous n'aurez que la première vitesse. Les camarades. Il va nous falloir du temps avant de pouvoir repartir. J'ai les oreilles gelées. Oh, des Stuka. Serrez bien vos bottes. Il n'y a... En avant. Marche. Oui, camarade. Vous avez déjà pensé... Vous avez compris pourquoi l'Altrak va être utile, je pense. Étonné que pour tout Altrak, dès que vous avez un Altrak, vous pouvez reconstituer vos troupes à côté. Arrêtez de regarder ce truc et ramassez-le. Ramassez-le. L'Altrak va quand même être sacré en pratique. J'ai de la chance, j'ai quand même déjà toutes mes troupes là-haut. Bon, j'ai plus de population que ce que je pouvais supporter, mais c'est normal. Voilà. On attend vos ordres. L'armée rouge à votre service. Réparer. Vraiment long. On bouge. On attend. Marchez dans mes traces. Ce sera plus facile. Bon, hein, vous pouvez pas déployer quand même grand chose d'intéressant, hein, faut dire ce qui est. Faut pas utiliser de ce camion, mais bon. À part que ça sert de véhicule de transport. On est parti. Bon, alors. Je suis en train. En fait, je réfléchis là. Bon, le tigre. Pour bien le défendre, en fait, faut. Pour plutôt bien réussir cette mission, il aurait fallu. Que j'ai mes deux, voire mes trois escouades de sapeurs entières. Ah, j'ai quand même des bonnes unités. Je n'oublie pas. Hein. Excusez-moi encore un freeze. Le problème c'est qu'une fois que j'aurai perdu mon Altrak, il me sera très difficile en fait de pouvoir continuer correctement. Pourquoi la mission. Pourquoi c'est aussi long? J'ai pas l'habitude des chars allemands. On pourrait demander de l'aide aux Allemands. Fais tir. Allez, faites change de crèmerie. Où est-ce qu'on doit... Tant mieux, ça me plaisait pas ici. Fumigène. Contact. Grenade. Que quelqu'un monte sur cet MG-42 pour donner un coup de main. On décroche. Grenade lancée. Bon, si vous voulez y arriver correctement, faut à tout prix que vous arriviez à... Retour de position. Cette section a besoin d'aide. Vous l'aiderez à combattre. Ah, fais chier, faut que je recommence toutes les réparations que j'ai fait. Afrak est pris. Lance une grenade sur ces fumiers. Tire d'infanterie sur nous. Infanterie ennemie. Promotion sur le terrain. Dimitri, on a perdu le camarade. Arrêtez la construction. Reblanquez-vous. On quitte le secteur. Ils nous tirent dessus. Ce que je fais en fait, c'est que je... Merde, grenade. On a reçu une décoration. Peut-être couvrir mes sapeurs, non? Je dis ça, mais bon. Réparez ça, vite! On attend vos ordres. Recrues, aidez cette section! Les ordres? Rejoignez cette section! Ça va être dur. Elle a besoin d'autres hommes! En route, camarades! Si une attaque de faible intensité me met du haut siphon. Là, fusilier anti-char en mouvement. Bon, j'ai gagné des gants sur mes. Équipe de mitrailleuses légères en mouvement. Mes fusées de la gare. Certes, mais cette attaque a quand même failli m'avoir. Groupe de la garde près. Voilà pourquoi je suis dans l'infanterie. L'armée rouge à votre service. Quels sont les ordres?
Marchez dans mes traces, ce sera plus facile. Allez, dépêchons! Ça va pas être si compliqué! L'oreille gelée! Je fais ce que je peux! Camarade, vous avez des ordres? Cesse avec tes propos subversifs! Bon, allez. Au moins mes unités ont déjà pris du gaon, donc ça peut être que bénéfique pour la suite. Très bien! Les chenilles remarchent! On y va! On doit rester sur la route! On avancera plus vite et on mobilisera les troupes plus facilement! Ah! J'ai compris ce qui se passe, je m'explique. Besoin de l'appui d'un blindé lourd? En fait, bon, il y a un dégât dans ce qu'il dit, mais normalement, le Shurga devrait déjà être entièrement réparé. Normalement, si j'aurais pas eu de dégâts. Et puissant, il dit ça une fois que vous êtes tout réparé. Bon, là, j'ai réussi à arrêter les ennemis. Très bien. Mais on va devoir le réparer à 100%. Sinon, on ne s'en sortira pas. Et maintenant, je vais vous dire un peu ce qui nous attend en ville. Il y a ici beaucoup de troupes. Hein. Donc, faut éviter déjà de passer en plein milieu. Déjà retranché. De l'infanterie. Après, on peut passer à gauche. C'est ce que je fais d'habitude. D'habitude, je passe là. Le centre là, je passe ici. Bon, en ligne droite. Ça passe plutôt bien. Après, il y a une autre technique que je vais essayer avec vous. C'est de passer à droite. Ce que je me dis, pourquoi pas, hein, jamais testé, donc faut tester en fait. Hein. Bon, par contre, faut réparer entièrement le char pour qu'il soit qu'il y ait un minimum de protection quand même. Ça va de soi. C'est le meilleur char de l'armée allemande. Je pense ça que vous aviez déjà, vous en doutiez déjà. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais envoyer mon... Déplacement. Aïe. Donc, un petit conseil, évitez que le char soit exposé ici, sinon vous aurez un petit problème avec un char qui va se positionner là. Je suis en route. Un tout petit, hein, ça sera pas un gros problème. Voilà. Tire précis sur notre position. Allez, allez. Astrak nous attaque. Cible détruite. Plus vite. Coupe ennemie. Dites-nous, on y va les gars. On a besoin de réparation. Mais comment ça se fait ici, le char est déjà opérationnel. Ils ont plus peur que vous. Qui dois-je éliminer? Ça leur apprendra. Où est-ce qu'on doit? Sontoviki prête à être déployé. Soldats du génie, on bouge d'ici. Je vous rappelle que les sapeurs doivent être protégés, mais bon. Les troupes ont toujours un peu de mal à la protection des sapeurs. Cette section a des Allemands dans le village. Recrues. J'essaie de nous encercler. Quoi? Il faut y aller. Mais rejoignez cette section. Elle a besoin d'autre chose. Non, c'est important que ça fait. Il essaie de m'encercler, ça c'est sûr. Vous avez des ordres? Quels sont les placements? Par là-bas! Pour notre budget possible. Oh go 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 go. Section Frontoviki arrivée. Et la mission s'annonce très dure là. Très très dure là. Écrasons-les sous nos bottes. On fait mouvement, camarade! Cible détruite. Snap bien reçu. Anéantis la cible! La mort. J'espère parce que c'était le char qui vient tout juste d'être opérationnel à 100% qui m'ont fait ce coup là. Fusiliers prêts! Serrez bien vos bottes! Je doute qu'il y ait que cette raison là. Emmenez-nous là-bas, pilote! Ripostez! Section Frontoviki arrivée pour le combat! Allumez-les! Ouais. On se déplace! On attaque la cible! Un canon d'assaut ennemi nous tire dessus! Il faut y aller! Ouais. Prêt! On se tire d'ici! Notre QG est attaqué! Je vais pas gaspiller mes points parce que j'en ai plein. D'ailleurs, je vais en appeler un juste pour voir c'est quoi quand même. Section Frontoviki arrivée pour le combat. Pour voir plutôt à quoi ça sert. Filez comme si votre. Allumez-les! On s'en va! Attaque, bordel! Ok.
qu'est-ce qu'il fait? Il passe à la tonne! Allumez-les! Notre sang coule, camarade! Qu'est-ce qu'il y a au programme? Ah, d'accord. Bon, voilà ce qui peut se passer, c'est que parfois le feu il dégénère. Hein. Et il brûle jusqu'à entièrement détruire le bâtiment. Contact hostile! Marche! Qu'est-ce que vous attendez? Les morts en héros! Les sections Frontoviki sont disponibles. Dites-nous quoi faire! On dégage de là! Ouais, en gros, c'est un véhicule de transport avancé pour en transporter beaucoup. Prêt, on bouge! Je vais tenter de récupérer le point de gauche. Enlève le camp. Je vais faire comme d'habitude, je vais passer à gauche. J'aime changement de position. Contact avec l'ennemi, camarade. Il faut qu'on bouge. Allumez-les. Maniez-vous. Un homme à terre. Allumez-les. Si on n'a pas le choix. Notre sang coule, camarade. Recrue prête. On a l'ordre de se replier. Remuez-vous, feignasse! Restez pas plantés là! On bouge! Allumez-les! On subit des pertes! Je suis sniper! L'ennemi nous tire dessus! Mais. En route! À l'attaque! Promotion sur le terrain! Tenez bon, soldats du génie! Non, mes sapeurs, ils sont allés là où vous pouvez pas qu'ils aillent! Dégage! Ennemi à terre! Allez, faites pécheur! C'est pas vrai! PTRS a perforé le blindage. Et nous avons accès aux sections disciplinaires. Faites bon usage de ces lâches. Bon point positif, j'y vais. C'est que. Pour la mère patrie. Bonsoir. En attente. Bon feu, mouf. Pilote, stop. On dégage. L'armée rouge à votre service. Il y a un Stug en position de défilement ici. Combat, on est en vacances. Ouais. Faut récupérer le point à gauche, comme ça j'aurai des munitions. Besoin d'un appui anti-charge. J'ai déjà fait sauter. Tenez bon. On a les foutus. Emparez-vous de ce secteur. Chargez l'ennemi. Faut vraiment que j'arrive à. Go! À capturer le point de gauche, parce que je manque en fait de munitions. Les sections disciplinaires sont disponibles et prêtes à mourir pour la mère patrie. Merci, il est prêt. Se dit en passant. Groupe disciplinaire en attente. Ils arrivent. Trafniki, allez. Bon. Voilà, le char est opérationnel à 100%. Fichez le camp d'ici. Ok. J'ai eu de la chance en attendant. L'arme rouge. Tu le verras, on a besoin de moi. Visez bien. Tant mieux, ça me plaisait pas ici. Contact ouais. C'est PTRS, fais son point, camarade. On exécute les ordres. C'était... Nous avons accès aux sections disciplinaires. Faites bon usage de ces lâches. L'ennemi nous tire dessus. Et voilà. Bon, la mission va être un peu plus longue que prévu, mais... On y va. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. Vas-y, bon, quand votre char, vous voyez qu'il y a beaucoup... Quand vous réparez le char et qu'il y a beaucoup d'ennemis qui arrivent, mettez un... des fumigènes. Bougez. Écoutez-moi. Restez cachés. Cible éliminée. Allez, on bouge. La garde à l'attaque. Strafniki, en avant. Le plus important, c'est surtout d'avoir en permanence beaucoup de troupes, en fait. Opal gymnastique. À côté de votre char. Ça évitera qu'il soit détruit facilement. N'hésitez pas à le répéter. Go. Go. Vous avez des ordres? Excellent travail, camarade. Avec ce tigre, on trouvera des faiblesses à exploiter. Et nous avons accompli cette mission, celle que j'apprécie vraiment le moins. Voilà, avec la troisième mission du jeu et la mission 8, c'est vraiment les deux missions que j'aime le moins. Et c'est ainsi que nous avons terminé cette mission. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous a servi pour ceux qui ont besoin de conseils, et que vous avez apprécié pour ceux qui découvrent le jeu cette mission. Je m'excuse de ma piètre performance aussi durant cette mission. Bon, voilà, c'est le syndrome du filmeur, comme on appelle ça. Dès qu'on filme, tout va de travers. Bon, tant pis. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine fois. Et encore merci de me suivre. Allez, à ciao tout le monde.